Retour avec Alex. Allez, on est de retour avec Alex Hunter, direction Madrid. Tout de suite, on reprend avec un petit peu C'est en faisant d'entraînement. vivre le ballon qu'on se crée des occasions. Et quand elles se présentent, il faut les mettre au fond. On va donc bosser la finition. Duel face au gardien, marquer autant de buts que possible. Ensuite, reprise de volée, marquer plus de buts possible, effectuer des reprises de volée pour obtenir un meilleur score. Ça, on a déjà ce type d'entraînement. C'était avec sa sœur. C'est pas beau, hein. Excellent timing, mais il est pas dedans. Un peu vénère, l'entraîneur. Continuez à renforcer vos relations avec votre mentor. Ouais. On a tous remarqué le travail accompli par Hunter aujourd'hui. C'est en s'entraînant comme ça qu'on pourra obtenir des victoires. Prochain match. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Pierre Ménès en direct de San Sebastian, dans le fameux stade d'Anoeta, le stade de la Real Sociedad. À l'affiche aujourd'hui, la Real Sociedad face au Real Madrid. Il est pas mal ce stade, hein, en forme d'arène avec son corps en forme de vague. Il est original, on va dire. Il a un intérêt architectural. Ah, c'est plutôt une bonne idée vu qu'il pleut pas mal au Pays Basque. J'aime bien son côté moderne. T'as pas un pilier qui te bouche la vue.
Hervé, t'es scorpion, c'est ça, je crois. Ouais, scorpion, c'est ça, pourquoi? Comme ça, ça devient... Non, pour rien, pour savoir, parce que moi, je suis cancer. Ouais, c'est bien. C'est pas terrible le match, quand même, hein. Non, c'est pour ça qu'on parle d'autre chose. Le match est fini. Et les deux commentateurs. Toni Kroos. La passe de Toni Kroos, interceptée. Alex Hunter. Ah ouais, c'est bien fait ça. Bale. Le tir. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Ah, peut-être une petite faute là. Il a plutôt joué le joueur que... Ballon pour Hunter. Non, une frappe. Oh, joli. Pourquoi pas. Jérémy Monrouli, tranquille sur ce ballon. Il y a de la puissance au moins. Ouais. Peut-être faire calmer le jeu là un peu l'arbitre Madrid, parce que Madrid, pas dans un ring de catch. Sur cette passe. William José. Ouais. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Isco. Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet, hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francisco Roman Nacerón Suárez, ça tire pas sur le maillot. Hein. Luka Modric avec un tir. Ah là là. Le ballon d'Alex Hunter qui passe tout près de la cage. Un pas verni pour ce coup là. Pas loin. Pardo. Non, elle a intercepté cette passe. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Putain, la frappe. Il fait la même, hein, une espèce de truc mollasson là. Pas terrible. Dommage. Yarabedi. Yarzabal. Marco Asensio, Isco, ballon pour Hunter, ils font tourner, ils prennent leur temps. Attention, attention, ah, était mieux. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien, oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plomb. Et la voilà la frappe. Ouais, c'est joli. Jérémy Monrouli, la passe, sur ce ballon. Le tir était pas terrible, par contre. Juru Tuzza, Théo Hernandez, Yarabedi. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Toujours 0-0. Le Real qui se rapproche de la mi-temps sans avoir marqué. Isco. Isco, c'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne, presque à l'ancienne. Il est polyvalent, il a beaucoup d'abattage sur le terrain. Il peut rentrer de la ligne d'attaque, mais bon, c'est un joueur dangereux, il mériterait d'être plus utilisé. La frappe. Oh, mauvais tir. Pas très cool traîner là-dessus, parce que si la frappe était un peu sur le gardien. Pour ce match, c'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Allez. Ouais, lumineux cette passe. Ah, oh, mais lui il va. Lui c'est fini. Lui je le fais plus tirer, il me fait que des trucs de merde à chaque fois. Je comprends pas. Rêve hors jeu, en photo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Isco. Carvajal, Alex Hunter donne sur l'aile à Bale. Kroos. Isco. Ah putain,
Je voulais passer à Hunter, mais il y avait du monde. Hein. Je sais pas combien ils étaient, c'était au moins 5. 2 minutes de J'ai pas regardé le temps, ça va faire une mi-temps. J'ai quand même l'impression de dominer pourtant. Il a ramené. Si on pouvait pas prendre un but là vers la fin. Ouais, la frappe. Et dans le tir qui est contré. Et la mi-temps qui dommage. Intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Le match qui débute à l'instant. Luka Modric avec un tir. Le ballon d'Alex Hunter qui passe tout près de la cage. Un pas verni sur ce coup-là. Allez, tout de suite la seconde mi-temps. On a déjà disputé 45 minutes sous la pluie. Apparemment, c'est parti pour durer. Le terrain commence à être abîmé. Hein. Bon, les jardiniers ont fait ce qu'ils ont pu à la pause, mais c'est compliqué maintenant. Attention à la frappe. Oh, joli. Ouais, l'ouverture du score. Très joli. Oh, plutôt mérité, hein, vraiment pour cette équipe. Avec une passe à notre mentor. Même depuis le coup d'envoi, c'est elle qui se crée le plus d'occasions nettes. Il y a quand même une sacrée précision de frappe. Hein. On va revoir le ralenti. Mais c'est pourtant censé être son pied le plus faible. Hein. Ouais, bah pas si faible que ça, en effet. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Elle est belle. Ouverture du score. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Robin Pardo. Yara Bendy. La bonne interception de Sergio Ramos. Un bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Non, pas faute. Robin Pardo. Il a repris proprement. La passe aérienne, pas mal. Il a vu ses coéquipiers. Bien le gardien. Qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Il y a un bon ballon à jouer. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent. Ah oui, c'est bien fait ça. En profondeur. Alex Hunter. Ah, le gardien. La bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Ah, il était belle pourtant. Le ballon Marco Asensio. Encore le gardien. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Modric. Il est sur la trajectoire. Rafael Varane. Luka Modric. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Toni Kroos. Alex Hunter. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Ouais. Rouli, tranquille sur ce ballon. Ça crée de l'ouverture, mais il y a une bonne défense. La voie est libre. Non, retour. Isco. Alex Hunter. Asensio. Ouais. Ouais, sans prendre de risque avec un tir. Ah, dommage. Le terrain qui n'a pas aidé là, sur ce ballon. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a plusieurs changements en même temps.
Modric. Alex Hunter. Et encore. Marco Asensio. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. J'ai hésité. Hein. Attention à ce corner après une belle séquence de domination. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty. Hein, sur... Allez, il peut la mettre, Isco. Ah putain, pourquoi l'Otis se barre hein. Voilà, sérieux, je voulais lui passer. Manqué. C'est cadeau. Enfin, le gros pressing de l'adversaire qui l'oblige un petit peu à se débarrasser du ballon. Ah, une frappe pointaine. Ouais, pourquoi pas. Ah là là, et puis ça. Ça a machiné dans le mauvais sens la relation. Pas, alors que la fin du match approche, on sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Oh, putain. Qu'est-ce que je veux faire en passe? Non, elle est interceptée cette passe. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Les supporters qui prend encore à l'égalisation et qui pousse. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public qui croit encore. C'est normal, hein, faut y croire jusqu'au bout. Hein. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah oui, la bonne passe. Lucas Vasquez avec pas grand monde hein, pour le gêner. 20h. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Ah, le bon pressing et l'équipe qui récupère finalement le ballon avec la touche concédée. Carvajal. Asensio. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. On jouera 3 minutes de temps additionnel. La dernière minute avant le temps additionnel. Ça fait bien. C'est plus le ballon. C'est la toute dernière attaque, je pense. L'interception de Carvajal. Ouais. Les joueurs du Real qui l'emportent donc. Coup de sifflet final de l'arbitre. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match, malgré des conditions météo difficiles. Il a fait un bon match quand même le gardien en face. Il s'est incliné une seule fois. Ah ouais, loin de faire deux passes décisives. Hein. Le match qui débute à l'instant. Luka Modric avec un tir. Le ballon d'Alex Hunter qui passe tout près de la cage. Un pas verni pour ce coup-là. On a déjà disputé 45 minutes sous la pluie. Apparemment, Hunter, attention à la frappe. Ouais, l'ouverture du score. Oh, le but plutôt mérité, hein, vraiment, pour cette équipe. Ah ouais, complètement même, depuis le coup d'envoi, c'était... Ah, c'est pas... ah ouais, c'est bien fait, ça. Ah, puis alors là, l'arrêt du gardien. Alex Hunter. Ouais, la bonne intervention du gardien. Qui commence déjà à mettre ses points comme s'il avait fêté son but. C'est vraiment le gardien qui sort, parce que c'était plutôt bien joué en face. Ouais, sans prendre de risque, il a avec un tir. Le terrain qui n'a pas aidé sur ce ballon. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça avance timidement, mais ça avance.
Attention. T'as du bol de nous avoir évité au tirage au sort. Ouais, je sais, t'imagines, ça aurait fait bizarre d'être éliminé par ton ancienne équipe. Ah ouais. Tous tes rêves de Champions League et de gloire qui tombent à l'eau. Je sais pas comment j'aurais pu me remettre d'un truc pareil. N'exagère pas. Au moins, tu pourras jouer contre Terry. Deux frères sur le même terrain, les journalistes vont adorer. Ouais, ça va être spécial, c'est clair. Oh, ça doit être Michael. Comment il va? Il a le Williams, l'icône mondiale parmi ses clients. Comment tu crois qu'il va? Salut-le de ma part. Ouais, si j'en ai envie. Bon, ciao mec, à plus. Alex, la FIFA organise l'événement non-racisme qui va se dérouler ce mois-ci à Madrid. Et tu y es invité. Toutes les stars seront là. Neymar, De Bruyne, Ronaldo. J'en suis. Tu dois y aller. Bien. Ensuite, réfléchis à l'association à qui tu veux donner de l'argent. J'organiserai une interview après l'entraînement pour l'annoncer. D'accord. Et après, il faut qu'on réfléchisse sérieusement à ta marque. La séance photo aura lieu dans quelques semaines. Et il faut qu'on ait choisi ton logo d'abord. J'ai pris un peu d'avance. Ah. Eh bien, il se trouve que ma mère est dessinatrice dans une boîte de graphisme. Et je me suis dit qu'elle pourrait peut-être nous aider à travailler sur le projet. Intéressant comme idée, mais je pensais plus elle à... Elle connaît le foot depuis longtemps, depuis sa rencontre avec mon père. Et c'est elle qui me connaît le mieux. Ce serait top. Allô, maman ? On l'avait vu ça aussi dans la démo. Elle est pas super joueuse. Entraînement. Marquons des buts aujourd'hui. Marquer autant de buts que possible tout en évitant les obstacles. Bravo Fred. Pas si j'aurais dit excellent. Ensuite, entraînement de loin. Ah, ça c'est compliqué ça. Marquer le plus de buts de loin, les tirs touchant les cibles, les volées et les frappes en première intention rapportent plus de points. J'ai de la chatte hein, pour l'instant. Ouais, ça y est, ça m'a quitté. Pas mal, pas mal. Chaque membre de cette belle équipe se doit d'être performant, tous les jours. Et aujourd'hui, Alex Hunter s'est distingué. Très beau boulot, jeune homme. Prochain événement.
Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ici avec Pierre Ménès, bien sûr. Nous sommes à Bernabéu, à Madrid. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face à Retafe. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Hein. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. C'est donc un 4-5-1 classique hein, que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Parlez-nous un petit peu, Pierre, de Santiago Bernabéu, Palom, hein, l'ancien président du Real, mais le stade, on est en plein cœur hein, de Madrid. Hein. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Hein. Plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Hein. Dis donc, pour nettoyer les coupes, il y en a pour un moment. Hein. Le Real Madrid qui possède bien sûr le plus gros palmarès du foot européen. Oui, il n'y a pas un trophée que le Real n'ait pas remporté. Si, un, la Coupe des Coupes. Le coup d'envoi de la rencontre donné par les joueurs du Real Madrid. Gareth Bale. Changement de possession. Shibazaki. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Tourner le ballon, ah. Oh. Ah, beaucoup trop loin. J'ai pour espérer surprendre le gardien. Hunter. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. On s'attend à un match plutôt facile hein, pour les joueurs du Real. On les voit mal être inquiétés. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, oui, je l'ai vu jouer latéral gauche, même à Tottenham. Et puis, il y a des joueurs qui reculent, lui il avance. Et aujourd'hui, c'est un vrai attaquant. Et en plus, au Real Madrid. Il prend sa chance. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Isco. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Hunter. Il est dépossédé du ballon. La passe est interceptée. Ah, la passe en profondeur, attention. Ballon ouais, non, est capté par le gardien. Sans problème. Si tu veux, je peux pas faire gaffe. C'est coulé le pauvre Titi. Hunter. Luka Modric, Alex Hunter. Oh joli. Et voilà il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé Pierre. Ils sont contents les supporters. À l'entrée de la surface, il a choisi le côté droit. Sur la barre. Avec une autre caméra. Ah, même pas, je l'avais les plus hautes. Mais... Bonne frappe, puissante. Ouverture du score. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Markel Bergara. Shibazaki. Portillo.
La bonne interception de Marcelo. En profondeur, oui, bien vu. Il a vu l'appel de balle. Le gardien qui repousse, attention. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud, là. Un arrêt pour éviter le pire, et qui sait, qui peut servir d'électrochoc à cette équipe. Ce match n'est peut-être pas encore perdu. Bale. Toni Kroos. Asensio. Toni Kroos. Ah. Le ballon dégagé au large. En surface. Modric. Luka Modric, des qualités exceptionnelles hein, chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi, joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés, exceptionnel de l'extérieur du pied, d'une grande clairvoyance. C'est un joueur sublime et très sous-coté à mon sens. Choisis la frappe. Ah, dommage, elle est déviée par la défense. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Alexander à l'attaque, il gagne du terrain. Ah, oh, dommage. Un bout portant. Ouais, on passe par les côtés. Voilà, passe complètement manqué. C'est cadeau. Cavale. Ah, dommage, je suis pas arrivé assez vite. Très loin, c'est dégagé. Anticiper leur déplacement. Qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ah, dommage. Non, c'est pas très bien. Oh là là, mauvais tir. Ah, il a pas cadré. Ça fait chuter la réputation. Oh, ça va siffler. À mon avis, juste après ça. En son temps, mais ça ne sert à rien. Voilà. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Tiens, Pierre, une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter, peut-être. C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec son but marqué juste avant la mi-temps. Coup d'envoi de la rencontre donné par les joueurs du Real Madrid. Luka Modric, Alex Hunter, et voilà il est, l'ouverture du score dans cette rencontre, et ça c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. La deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. La seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Jorge Molina. Ouais, la frappe. Ouais, l'attaque enrayée. Modric. Isco. Hunter. Kroos. Sergio Ramos. Non. Elle, la voilà la frappe. Ah, dommage. Ah, il s'en veut d'avoir raté ça. Et ben, je le comprends. Hein. Il sait qu'il aurait pu tuer le match. Ouais. Shibazaki, Jorge Molina, ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Isco, Portillo, Caspier venir dessus. Hein. Interception de Luka Modric.
Maximovic. Oh oui, encore une bonne passe. Non. C'est une touche. Fouillage. Portillo. Et les Madrilènes qui reprennent possession du ballon. J'ai cru qu'il allait partir sans le ballon. Imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques. Il prend sa chance. Attention, attention à Gareth Bale. Oh là 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 là. Oh, le gardien qui s'en sort. Ouais. Oh, c'était pas évident. Il était bien sur ses appuis. Franchement, on peut le féliciter. Après avoir frôlé la correctionnelle, comme on dit dans le jargon, cette équipe va peut-être retrouver un peu de confiance. Ispé. Asensio. Attention, ça peut faire. Oh bien. Là là, dommage. Hors-jeu. Hors-jeu. Ouais. Ah, dommage. Il partait au but. Il y a plusieurs changements en même temps. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça, c'est bon. Réaliser une passe décisive. Le Kamovic. Hunter. Allez, le centre maintenant. Il repousse le danger loin devant. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Il sort. Il est en touche. Raphaël Varane. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Il est tout seul. Isco. Marcelo. Un ballon qui sort en touche. C'était bon, pas sur lui que je voulais là. Oh, il a du soutien, enfin, ça peut être dangereux. Ouais, bon tac, c'est dégagé. Pour reprendre ce ballon. Un peu comme il peut. Ouais, un bon ballon d'attaque. Le ballon est bien en touche. Marco Asensio. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer son Asensio. Oh là là. Ah, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Quand je me disais, il l'a vraiment frappé bizarrement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Il mérite un bon ballon, mais difficile à exploiter. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Sur la contre-attaque. Ouais. Bon retour. On a l'exigence du Real, hein. On mène d'un but, mais il faut toujours continuer à attaquer. Les 30 derniers mètres. Ouais, bien placé Marcelo. C'est intercepté. Lucas Vasquez. Oh, oh là là, la barre. Je sais même pas comment il a fait pour rater. Oh ça, putain, j'avais ma passe décisive. Ah, non, elle est pas partie très haute et à la fin. Belle frappe. Belle frappe et belle tentative. Marco Asensio. Ouais, non, c'est foutu. Voilà, c'est terminé. À l'instant, la victoire du Real Madrid. Et voilà un derby, en tout cas très bien géré hein, par cette équipe, qui avait apparemment bien préparé son coup. Je crois qu'elle ne pouvait pas faire plus plaisir à ses supporters. Hein. C'est le match qu'ils attendaient et surtout le résultat qu'ils espéraient. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Et ça, on l'a fait.
le coup d'envoi de la rencontre donné par les joueurs du Real Madrid. Luka Modric. Alex Hunter. Et voilà, il y est. Finalement, il n'y aurait eu qu'un but dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Sergio Ramos. Et là, voilà la frappe. Ah, il s'en veut d'avoir raté ça. Et ben, je le comprends. Hein. Il sait qu'il aurait pu tuer le match. On a bien placé Marcelo. C'est intercepté. Lucas Vázquez. Oh non ! Ouais, je sais même pas comment il a fait pour rater ça. Normalement, chacun d'entre vous doit pouvoir marquer quand une occasion se présente. Prouvez-moi que c'est vrai. Scénario offensif débutant. Marquer autant de buts possible dans différentes situations offensives. Cadrer, il faut cadrer. L'arrêt. Allez, tire. Joli. Il faut cadrer. Putain, mais c'est quoi ce gardien qu'ils m'ont mis là? Joli. Il faut cadrer. Ensuite, scénario offensif, novice, marquer autant de buts que possible dans différentes solutions offensives. Allez, tire. Allez, il faut cadrer. Capté. Tire. Il faut cadrer. Ah, dommage. Ils sont casse-couilles. Hein. Ah, magnifique. Oh, le gardien. Oh, le gardien, c'est taré. Ça démarque, toi, s'il te plaît. Ah, c'est taré. Bon, allez.
boulot aujourd'hui. Reposez-vous bien en vue du week-end.